Guédiouaye, une commune populaire de la banlieue dakaroise, capitale du Sénégal, a vibré le 13 novembre 2024 au rythme de la campagne électorale avec la tenue d'un meeting marquant de la tête de liste nationale du parti PASSEF Les Patriotes, Ousmane Sonko. Accueilli par une foule enthousiaste au stade Amadou Barry, Sonko a su capter l'attention des électeurs à quelques jours des élections législatives prévues le 17 novembre. Ce rendez-vous public avec les militants qui marque partiellement la clôture de la campagne pour la coalition au pouvoir a été pour le président des Patriotes une occasion de revenir sur les inégalités sociales constatées dans les implantations industrielles et autres entreprises publiques concentrées dans la capitale au détriment des autres chefs-lieux de région. Dakar, qui représente moins de 0,5% du territoire national, concentre 46% de la richesse nationale. Ces 11 régions représentent 44,5% de la richesse nationale et ces 11 régions représentent 80% du territoire national. C'est un déséquilibre criard qui a pour conséquence le phénomène de l'exode rural et la promiscuité à Dakar. L'un des points forts de son intervention a été l'engagement à promouvoir la réciprocité en matière de visa. Ousmane Sonko a réaffirmé qu'il était injuste que les Sénégalais soient soumis à des procédures rigoureuses pour entrer dans certains pays, tandis que ces mêmes nations appliquent des règles plus souples pour leurs propres citoyens. On doit appliquer. Nous devons protéger les intérêts du Sénégal et jeter des bases solides pour nos relations internationales. Tout pays qui impose des visas à nos concitoyens est confronté à la réciprocité dans nos réglementations, que ce soit les États-Unis, la France, peu importe le pays. Si nos citoyens sont soumis à l'obligation de visa, il est normal que nous appliquions les mêmes réglementations aux citoyens de ces pays. Par ailleurs, Ousmane Sonko a promis que Dakar sera un hub du savoir, de la technologie pour former des intellectuels de renom et faire venir d'autres nations pour s'outiller. Le secteur du tourisme, qui n'en demeure pas moins un levier de développement, sera aussi, selon le Premier ministre, au cœur des priorités qui doivent porter le devoir mémoriel de certains événements, à l'image du massacre de Tiaroy 44 et autres figures historiques telles que Cheikh Anta Diop.